c'est fini le bricolage, c'est l'heure du voyage. L'objectif, c'est d'aller rejoindre Martin et Caro, qui sont partis pour rejoindre le Népal. Ils sont partis depuis la Belgique il y a 2 semaines. Et donc là, je vais les rejoindre au lac de Constance. Hello. Bonjour. Première nuit en Allemagne. Et on va faire la première journée en vélo ensemble. Avec Wiebke, qui va nous accompagner. Bon, on a un peu peur qu'elle ne nous suive pas, parce que je vous avoue que, bon, hein, on est quand même... Oh yeah, well, so it goes, yeah, so it goes. Je te cache pas qu'il est quand même déjà 20h30. C'est l'heure pour papy et mamie d'aller dormir. On mange quoi, Caro ? On mange du porridge. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. C'est beau la vie en Allemagne. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God, the mighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Merci à tous les, à tout le monde pour vos petits messages. Merci pour vos attentions, pour vos petits mots, ça fait toujours trop plaisir. On est trop à fond et avec vous encore en plus, là on est fou. Là on est à donf. Là on quitte notre super ami Antoine qui est venu quand même pédaler avec nous une semaine et ça c'est extraordinaire et ça nous a mis un gros boost au moral. C'est quoi vos prochaines votre direction? Notre direction, on suit toujours le Danube. Il faut rouler. Puis voilà. Mais Papus va bien, je vous rassure, Papus va bien. Et quand même à Canton on aura passé le cap des 1000 km et ça, c'est pas négligeable. Exactement. 1000 kilomètres.